Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal. L'écran de l'ordinateur abîme-t-il les yeux? Les réponses dans ce journal. Les éleveurs doivent protéger leurs animaux. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Fidèles auditeurs, merci de nous choisir. Le développement des titres. L'élevage consiste à assurer la reproduction des animaux dans un cadre sanitaire propice. Malheureusement, certains éleveurs ne respectent pas la norme et laissent leurs animaux se promener dans les rues. On parle de l'élevage en divagation, une pratique qui n'est pas sans conséquences. Aké Etienne, technicien agro-vétérinaire. Un animal à divagation, c'est un animal errant, un animal qui se promène un peu partout. Dans une localité, bien dans un village, dans une ville, sur les rues. C'est ça qu'on appelle animal à divagation. Tant que les conditions d'exploitation du petit élevage familial ne sont pas améliorées par un bon habitat ou bien un enclos, une bonne alimentation, un bon programme de protection sanitaire, une bonne gestion de la reproduction et de la production, ce phénomène de divagation peut se produire. Et le développement de l'élevage s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté et de la sécurité alimentaire. Et si ces animaux se promènent, peut créer de nombreux problèmes à la population ou bien aux usagers. Par exemple, sur le plan social, ça peut créer des accidents et il peut avoir des pertes de vie humaine dedans. Et même l'animal même meurt. Et ça fait que le revenu chute. Donc, ces conséquences sont plus nombreuses, néfastes, très 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 néfastes pour l'éleveur. Maintenant, sur la circulation, tout d'abord, une voiture voit l'animal brusquement. Le chauffeur veut fêter l'animal. Le véhicule peut causer des morts. Aké Etienne, technicien agro-vétérinaire. Tous les éleveurs sont appelés à construire des enclos pour leurs animaux et de les faire vacciner. La voix du zio. Pour la lessive, la cuisine, la vaisselle et la douche, nous utilisons régulièrement l'eau de la pompe ou du robinet. Ces installations sont l'œuvre du plombier, un artisan spécialisé dans le travail du plomb et des tuyaux. Monsieur Aziaka Kofi Apelete, plombier de profession, nous parle de son métier. Il y a deux sortes de plomberie. Il y a la plomberie industrielle qui consiste à l'installation dans les industries. Il y a aussi la plomberie sanitaire qui consiste la partie domestique, l'installation des WC, l'installation des cuisines, la canalisation d'eau pluviale, la canalisation des eaux usagées. C'est la plomberie partie domestique ça. Nous avons plusieurs genres de difficultés dans notre métier comme d'autres métiers aussi. Par exemple, nous avons des difficultés par rapport aux relations avec le client. Par exemple, un client qui veut que son travail marche. Il paie les matériels de travail, mais il ne paie pas le plombier. C'est une difficulté que nous rencontrons souvent sur le chantier. Du côté de formation aussi, quand le plombier n'est pas bien formé par rapport aux nouveaux matériaux de travail qui sortent de jour en jour, le plombier est confronté à un problème d'actualité parce qu'il n'est pas formé de jour en jour. Il trouve des nouveaux outils de travail qu'il ne peut pas utiliser par rapport au temps. Peut-on aujourd'hui construire sa maison sans associer un plombier? Construire une maison aujourd'hui sans plomberie, ce n'est pas une bonne chose parce que aujourd'hui on veut tout faire à l'intérieur de chez soi. Ça veut dire vous construisez une villa, vous voulez faire les besoins dedans, vous voulez faire la cuisine dedans, vous voulez vous laver dedans, vous voulez faire tout dedans presque. Sans la plomberie, vous êtes obligé de sortir au milieu de la nuit pour aller faire vos besoins à l'extérieur. Vous êtes obligé de sortir pour aller faire la cuisine à l'extérieur. Il y a assez beaucoup de choses quand vous ne faites pas appel dans la construction de vos villas aujourd'hui. Vous êtes confronté après à des problèmes que vous aurez plus de difficultés à résoudre qu'en faisant appel à un plombier au début. Donc, pour un conseil, quand vous voulez construire vos maisons, pour faire appel aux électriciens, aux plombiers, c'est-à-dire tous ceux qui interviennent dans la construction d'une belle maison. Monsieur Aziaka Kofi Apelete, plombier à Thiviers. La voix du zio. À la maison ou au service, nous sommes aujourd'hui nombreux à travailler sur ordinateur. Tout le temps passé devant l'écran a des effets sur nos yeux et génère notamment la fatigue visuelle. Picotement, yeux rouges, secs et fatigués, éblouissement, vision trouble, sécheresse oculaire, maux de tête,
La fatigue visuelle peut devenir un vrai handicap. Les précisions avec Rémi Sommenou, technicien supérieur en ophtalmologie. Les gens ne se rendent pas souvent compte du dégât que l'ordinateur ou bien les rayons des écrans causent à leurs yeux. Les rayons de l'ordinateur irritent les yeux. Avec un œil normal, à chaque fois que nous faisons 3 à 5 secondes, nous devons cligner les yeux. Et c'est relatif. Ça dépend de la chaleur, ça dépend des conditions qui sont dans le milieu. Si c'est un milieu poussiéreux, on a tendance à cligner plus rapidement les yeux. Si c'est un milieu doux, normal, qui n'est pas trop éclairé, le clignement est un peu plus ralenti. Très souvent, ce qu'on remarque pour les utilisateurs d'écran, ils ont tendance à réduire le clignement, à ne pas cligner les yeux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tendance à fixer ce qu'ils sont en train de faire. Quand on ne cligne pas les yeux, le film lacrymal qui devait venir humidifier l'œil et rafraîchir l'œil, le film lacrymal là ne peut pas venir. Ça veut dire que l'œil est sec. Comment faire pour travailler sur son ordinateur tout en préservant ses yeux ? Pour ceux qui utilisent les ordinateurs tour ou bureau, il est préconisé qu'ils aient un filtre devant l'écran ou carrément, à défaut, venir quand même pour qu'on leur fasse des lunettes avec anti-reflet. Peut-être qu'ils ont peut-être une myopie, une petite myopie existante. On va leur corriger ça et puis teinter les verres avec anti-reflet. Simplement, et puis ça va résoudre largement le problème. Et puis, très souvent aussi, il est préconisé qu'ils aient ce mécanisme-là dans la pensée. Donc, faire un effort maintenant pour cligner l'œil, quand bien même c'est un peu compliqué, même s'ils n'ont pas de temps, ils n'ont qu'à faire quand même un effort pour se reposer. Ils travaillent un peu, ils n'ont qu'à se reposer un temps pour que l'œil aussi puisse reprendre normalement. Rémi Sommenou, technicien supérieur en ophtalmologie. La voix du Zio. Les femmes du secteur formel ont souvent besoin de domestiques qui vont prendre soin de leur maison et de leurs enfants. Mais quel type de domestiques ces femmes doivent-elles engager? Madame Doglon Adedjemassan, présidente du réseau Femmes Leaders Togo. Franchement parlant, il faut que la personne qui va éduquer son enfant soit elle-même éduquée d'abord. Il faut que la personne ait l'âge d'éduquer d'abord. Mais nous prenons des gens que nous pouvons payer à vil prix, des gens que nous pouvons commander et nous leur confions nos enfants en vacant à nos occupations. C'est mauvais. Ça fait que nos enfants rate l'éducation. Pour prendre une domestique, nous avons de nos sœurs, des femmes qui ne sont plus au foyer, mais c'est des femmes qui ont eu d'enfants, qui ont eu à éduquer leurs enfants. Nous pouvons les prendre parce qu'elles savent ce qu'il faut pour l'enfant que vous lui confiez. Mais si nous prenons une petite fille qui n'a pas encore fait d'enfant, qui n'a pas d'âge, à qui vous confiez votre enfant, je ne sais pas ce que la petite là va dire à ton enfant. Sinon, c'est lui faire du mal, au contraire, taper l'enfant, faire du n'importe quoi à l'enfant. Si bien que les enfants des fonctionnaires et des femmes qui vont au marché très loin, confiant leurs enfants à des domestiques, ont des problèmes. Nous devons prendre celles qui ont déjà éduqué et celles qui ont une bonne éducation. Le mauvais choix de la domestique peut avoir des impacts négatifs sur l'enfant et sur la société. Quand un enfant rate l'éducation, ça agit sur la société. C'est quelqu'un que la société va vomir. Si c'est une fille que la société va vomir. Parce que la fille n'a pas eu l'éducation qu'il faut. Le garçon n'a pas eu l'éducation qu'il lui faut. Et franchement, c'est négatif sur la société. Donc, si nous prenons des domestiques qui ne tiennent pas, nous faisons une plaie à notre nation entière. Où les trouver? Il y a des services maintenant qui se chargent de fournir des domestiques. Vous allez là-bas et vous dites le profil de domestique que vous voulez. On va vous chercher celle-là qui convient. Mais si nous prenons n'importe quelle femme, quelle fille pour rester auprès de nos enfants, nous sommes en train de foutre en l'air l'éducation de nos enfants. Madame Doglon Adedjemassan, présidente du réseau Femmes Leaders Togo.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Présentation Séraphine Yovo, réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. L'écran de l'ordinateur abîme-t-il les yeux? Les réponses ont été données dans ce journal. Les éleveurs doivent protéger leurs animaux. Et nous vous quittons avec cette pensée. Parfois, la vie peut être injuste, mais ce n'est pas une raison pour renoncer à elle. Bonne soirée à tous. Nyajojo eyi mayemi el nyatakaka o jojo ma nusi o fo khlami pe belele le vevie khena mia pe dedie nono Davie moji presbiteria nyanyui ha me adu gbedo kho nkeke nyue e chova yi le hanofia le Davie moji Esi awe ni nyatakaka Jojo ma nu si o fo khlami nye nu si o pe ade miakwe dedie nono ple agbenono ple anyigma jiun eye ohia belele blibo gake amegbeto fo wona o vati trede jojo ma nu on si webe hehe am vatro de miaun eye kudidi ple anyigba o fo kuku vazu kuhi blibo nami Afeto agbale nyoko si aji de ratchotchu afetato de numakude jojo monu si ofo khlami fo vievie nyenyon eye odo adam de agbesi mianon nu yekena flo khlamia ambesia mona bui sibale ko koye agbenye fena ntinye no venye amagbeto fo agbela te ve ntinye nene make la proto yekena fo khlamia o magbe do la ve mianti ye enu si ami kena fo khlamia mianye ko bona nende kemele ke mawo onye nu dada e dacha e mo no fole ne mi po e chemenya bona bubu de le anti cha no le bli de make ko de bli fo a o la pa anyo pokoi anyo bono na bli de fo le bubu tro le ogoma mawunya bona afi bono bli adugba ta eji bona afi a chembo dula wa nanyi ale bona afi a dubla be re fo ko anyo bola du yicha e ke mi va je anyo bola le sasa mi va po bo 2007 me a ko dagblia afi bla blo vio la bona anyogbon gballe gballe garder bliao vo e ke mi de vieux mi va to afi bo du mi va remplacer anyogbon mi do afi o quoi équilibre e ba trova nu sanu ke ma wa le pore nu ye enu yo ke fo khlami gbe ya bo amase mona de bubu anti na mo dun fo afi fije e po bo no pe ke e ya le gomona na mo cho fo gballe fo malake ya e ya kwe mo nyen nu yo ja vo gbe yo e cho amare deri e cho amare deri ya inye gonta bo tutu preto donc e ya na no gomono fike le popu berdo o ba gama ye wa daro badwa na dere fima alebona amoyo kala va tue ayo won do va tue ayo won do apeto agbale nyoko si ajid ratu tu apeta to fo nu mo de le kure vie vie nye nye ikene le nu si o fo khlami Togo presbyteria nyanyu hamea pe alojo selectivier Davie Modia Edouard pe egbedo kon keke nyue e choko sira gbeva yile hanopia le Davie Modji wana siasi va emele hapa gbonu glao ame pepe vovovo ple ame via ope anyi nanomea ewu nu ple nungenge wana gan ade le tijo popo ase e chocho ple ravi lono bliboma dongona e chopo nkeke ya memle da gbeva yi mao hajiji hobibli gan ade va emele katoliko ple nyanyui hame hajiha aton ade o doma eye len uwa amenu veve hajiha chochevye ape gamme Nyanyu ha me ame ye kpo jidudu. Ape to gume joye kofi vensan. Ame nuveve haji ha pe zimeno la. E de pe sese la me ple nou kpo susu de go. Fi yabe mi basro nou ye mi kpo mi ape kpo me. Le haji ha kpo te obo. Ke fi yabe mi basro nou. Kure mi ane onchi. Ike na. Ma ope do ape jije je ple kafu kafu. Ple pe jodoro ji. A zon le yo longone mi enye be. Mi a o de kak ple haji ha kpo te yo ke. Mi ye kpo be.
odidi le hadiji ma mi a pe ro han ti wa ti po titi pe vuvuru le hadiji ma wona ma si enye a pe to gume je ko fi Vincent am nu veve hadi hap ezime no la pe se sele la ma ple nu po susu de go ke mi ase ale si ete pe an onyi chomara si enye avivi si otile tepea kemia do nyebe hajiha gomopolo wenye davie moji nyanyu ha ma hajiha pali de vrai catholic commission hajiha bolu moji nyanyu ha ma hajiha tevie apegam hajiha ple compassion hajiha cho davie moji ple epli centre kasa pa quiz revue pour après février adin pour wana oje comme le radio horizon d'ofia on a si si fait taloji nwenye efegbe efe konu lododo ple adagana ododo de nko le mia fois du com va em echovai le revue là est ton adodo revue là gomo pola ode ofe sesele la mede ego kure wana Ejoji nambe mi ga to kasampa goma abali mi toji chan o va unu ne nea goma jeje amejuru mu vo a mu va do mu se me trova ku mo po be nu ale yinyu re joji nan to be mo ga tin je pe mo to goma me dibu ma gbona toji no la obana me nu ale onye mi sun ra fire ke da ro ka an tete po ku yinyu ji jodo na mo nu ke ta nu ja agba mi o ke mi a we po lu twa no wa ingol cha le ke wa le a i mo gbona cha mo vo le du ku nyu mo va le ke mo va le fia ma kpo bo tukara de kemele mu tana amere la ti kpo gumele mu ya mi acha na ja gba na ma kpo gumele mu fa ba mi ntom ya de nwi ya de le nko ale bo na mi am nko na ma ti de julo ale ke bele kpo ka sapa ba wo na odua enu so sron le megere na mi aka ta mi so heo keke le du kwa mu keke a ele na ba mi le nu sron chu mi ba du anti ta be de kuku na atoji no lo o cha ono ja gba na ya ka ta mi ya no wo na sia mu Roblila est un yone po goma le kasapa wana mer pe se se le lame de yike o dede go e chon vay. Do diyo le fufufu e ame siyame le etome de asinye hena e yakple popo me ope vufuple mkogbe dede. Nye tede apweto asyaka kofi apele te un le wakba e wodo jenami kude epe plombier alo pompi do un plomberia e chan le sibe do poter no plomberi le homo domaine me plomberi le ajo mo domaine me kemira plomberi industriel wa mia ni ona am via keke e ke bore chevie u mi ona ni ke le homo domaine me par exemple homo domaine me fia ni en salana ju dope gaze si le pe penoir kudo de quoi au chijajala tant que mamela le chile peu mu tongbe ni ona le plomberia mema ke nuka ta mi apo to wa manyu na ya do yi o apo to asiaka ah no bo mo plomberia nyire wa nu gbogboro le gama swat do to agbono do to abona ne plenu ya ne player ke ne player ke ne ya do ne do to abo bo wa do de ko wa do de ko e chana na bona do ama banyu do wa am kentol do chuana ba yi plombia moi wo do apo mo pla do apo mo maîtriser une que ni no ato donc a nu rero ran nu mama que la bañi be nu ko le bon ona ya ma va no do nyiro i cha atino ne ma que de mi do ku hile mi apo plombier do si amer plombier me do ala se do poti o ke ne ya i cha ku hile mo ku hile wa do nyi be ndo la ne fia nu ye yo le tutu be si agbe do ran nu plan ne mo nu plan be si agbe wa ndo la va la be le nu jira rova la va ble nu yo o plo no bonu cho doa la va ni fono ku hele kai ma ku hele kai ba ni be na do o me a ga ku do do zo na ju ga mo do to na globo do na cho do na cho bo mo do nu o plo mu do cha ma tizon ku hele kai ma doa do to do nu o plo bo mo le ga wa ya cho no o ta do ma tino yimo do ma ke adanka na ten adona amo ku de plombier do anu le khotunyao ma peto aziaka c'est que gbe aminya bana nu le nkoni to troll va va mena ni to bana ya tu hovia kwa do ana plombier la o do le kwa mono do susu bana ne dal le wa e chikla ko kala dalajia wanyar ke e chela tu la ya ingba fika tu ajuma ba kala pe mu
ma ba kolda ji jawa dalala ji wano ci jala e ho amu le ke apo mo lento cha plombier la te caraliser ti a la te jira ti a ro de bana le ci jakwa le dugo woné mo yo plombier won mo no wa ke gbola pe mo no le peuple de vieux mo l'entretenir ni ro né le du boga viré et plombier wo yo vo gazeno a na chambra dolo le ko tuna dolo lo mo ma wate no apo mo ba no plombier mo doa et cha le contribuer na santé sociale donc a mien cha mien doa la nawena dolo le do par exemple choléra né sanitaire la nuire a choléra me kala djibe la ba pono a cyclopole de vie aussi le vie o ya du ko classique ki a cyclope pkp pe mbobe du noa choléra kudo ebola mon moa la kaybe le djiji le bobima ke sienye apeto asia kakofi apelete signe plombier le wagba pe enuma de de kudo pe do apre kuki si on le mon Après toi, il y a Kakofi, un homme de l'Odinia, à ce autre affaire du commun, il y a Nemi. À trois, à donc, il y a Kakao Dinemi, à Globe. Jojo, nous, si on faut clami, le vieux vieux, il y a bien fait de Dieu, non, non. David Modi, presbytère, il y a un homme à Goube, de Ho, un cacaigné, et Chorvaï, le Ranofia, et David Modi, il y a des appels, il y a un peu de Dieu, non, non.